très content. Il y a beaucoup de monde, les tartes sont très bonnes, apparemment c'est bon. On n'est pas loin des 150, facile. Si 400 partent, c'est bon. Les gens sont contents ? Ah oui, je pense, j'ai eu que des éloges jusqu'à présent, ça marche, c'est bon. Bah, ça se passe génial, tout va bien, ça cuit, de temps en temps on la tourne, pour qu'elle soit bien, bien croustillante partout. Pour moi, ça m'a l'air impeccable. Les gens, j'espère qu'ils soient contents. C'est laquelle t'as préféré, gratinée ou flambée ? On a goûté une gratinée et on essaiera de goûter la flambée. Il faut pas que les cuire, il faut les goûter aussi. Et elle était excellente, bien croustillante. Il y avait l'assaisonnement partout. Elle était royale. Je suis en costume traditionnel alsacien. Il vient d'Alsace, il a été trouvé sur une brocante. Il est tellement vieux qu'on ne peut pas donner son âge, y compris le petit chapeau que je porte où il y a la coiffe qui est cousue dessus. Je suis alsacienne, originaire plus précisément du Bas-Rhin. Je suis venue sur Val d'Isère, j'y suis par amour. Donc là, t'es la plus belle ambassadrice du coin avec ton costume. En même temps, je suis la seule, donc... Cédric. Ils sont bons les bretzels ? Oui, très bons. Ils sont très moelleux, mais par contre, ça donne soif. On va commencer par la bière à l'apéro et après on va boire un petit coup de vin, un petit Riesling ou je sais pas, Riesling, Sylvaner, Gewürz. Connaisseur ? Un petit peu. On vient du Beaujolais nous, alors on sait un petit peu le vin, ce que c'est quoi. Ça vous plaît cette soirée alsacienne ? Ouais, sympa, très sympa, impeccable. On a une star du cinéma avec nous ce soir. Applaudissez, Madame Latrasse.